1744 élèves commando de la DGSI, Direction générale des services de sécurité et des institutions de l'État, vient de mettre fin à leur formation. Après avoir souhaité la bienvenue et un agréable séjour à Moussoro à la délégation venue de N'Djamena, le maire, deuxième adjoint de la commune de Moussoro, Mustapha Mamad Hassan, a remercié et félicité le centre d'instruction de la GNT de Moussoro pour toutes les formations organisées au profit des jeunes tchadiens. Le commandant du centre d'instruction de la GNT de Moussoro, le chef de bataillon Mamad Ali Prosper, de préciser que les stagiaires qui sont devant vous ont été formés sur le plan moral, physique, technique, qui leur permettant d'assurer efficacement les nobles missions de notre cher pays. Le directeur général des services de sécurité et des institutions de l'État, le général de brigade Adam Huno, a remercié les autorités administratives et traditionnelles pour le climat de collaboration dont ils ont fait l'objet lors du séjour des stagiaires à Moussoro. Le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, le général des corps d'armée Mamad Sall Ibrahim, a exhorté les élèves commandos au respect et aux disciplines des normes militaires. Un grand défilé militaire a mis terme à cette cérémonie.